Bonjour, réaliser une émission de radio en public pendant une heure. C'était le défi lancé à des élèves de 6e du collège Elder Caméra de Trélières. Des élèves inscrits à l'atelier radio du collège. Atelier hebdomadaire animé par un journaliste professionnel. Durant cette émission enregistrée devant 80 personnes, les élèves ont interviewé le maire de Trélières, mais aussi quelques responsables d'associations locales. Et j'interviens, c'est la deuxième année d'affilée donc, au collège Caméra avec un groupe de 6e. Ils sont 13 élèves de 6e, très sympathique. À chaque période de vacances, on réalise des petites émissions, alors sans prétention, sur l'actualité du collège. Les élèves font des interviews, écrivent certaines chroniques, ils font du montage également. Tout ça, ça se passe en salle multimédia au collège. Donc, il n'y a aucune prétention, on fait ça pour que ça soit une belle expérience pour les jeunes. Donc là, ça va durer à peu près, donc on va faire comme si c'était une émission en direct, hein, dans les conditions du direct. On peut l'entendre, le public ? Nous accueillons donc Émile Savary, maire de Trélières depuis 2001. Vous aviez un compte Facebook, mais que vous n'aviez pas mis de photos ni de messages. Qu'en pensez-vous justement des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter ? Je n'ai pas d'idée sur le sujet. Parce que c'est un peu un hasard, je pense, que je ne me souviens même pas de ce compte Facebook. Mais je pense que c'est par la bibliothèque que ça s'est fait. Bon, c'est des questions assez habituelles quand même, parce que assez souvent, je rencontre des classes où des classes de primaire, des classes de collège, pour parler de l'activité municipale, du rôle des élus, etc. Ouais, parce qu'en général, c'est plutôt des classes qui viennent et puis où les élèves posent les uns après les autres des questions. Là, devant un public, c'est un peu différent. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elder News, la radio branchée du collège. Avant, au début de l'année, on a fait plusieurs émissions et puis là, il y a à peu près 2 mois, on a commencé à préparer celle-là. Moi, j'ai bien aimé et puis je pense que c'est aussi, ça peut être une idée de métier, mais je pense pas que je vais faire ça quand même. Jeanne, Océane, Salomé, Nathanaël, Alison, Mélissa. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec vous et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'années parce que vraiment ça se passe très bien et je crois que pour les jeunes c'est très très formateur. La preuve quand même ce soir. L'émission est aujourd'hui disponible à l'écoute sur le site internet du collège Elder Caméra.